Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je voulais faire une petite capsule sur le fer plat. Je vais vous montrer trois façons de, dans le fond, comment raidir comme il faut, puis faire deux sortes de frisés. Donc, puis je vais vous présenter en même temps trois produits protecteurs de chaleur pour le fer plat. Donc, je vais commencer avec comment raidir un cheveu de la bonne façon. Tout d'abord, protecteur de chaleur, tenue légère. Ensuite, très important de bien peigner le cheveu pour faire sûr qu'il n'y ait pas de nœud. Ensuite, plusieurs personnes, quand ils prennent le fer plat, passent plusieurs fois. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous passez le fer plat, ça abîme la cuticule du cheveu. Donc, le moins possible, mais un petit peu plus longtemps. Bien sûr, un fer plat professionnel, ça l'aide. Je ferai éventuellement une capsule sur la différence entre les outils coiffants pharmacie versus les outils coiffants professionnels. Donc, moi, je fais tout le temps, je garde la couette dans le peigne comme ça. Ensuite, je m'en viens. Toujours important de garder une légère courbe vers l'intérieur tout le temps, ce qui fait en sorte que la cuticule du cheveu reste bien scellée. Et voilà, tout simplement, un coup, c'est fini. Et voilà. Puis c'est sûr que ce qui va tout le temps mieux, c'est de faire des séparations comme ça. Parce que c'est sûr que si vous y allez, pas de séparation, vous essayez de prendre une grosse couette pour réduire le cheveu, la chaleur n'a pas le temps de passer à travers. Donc là, c'est pour ça que plusieurs personnes passent plusieurs fois. Mais c'est pas bon. Donc, toujours préférable de faire quelques séparations, pas obligé d'être 14 000 séparations. Là. Ça peut être juste séparer la tête en trois exemples d'une oreille à l'autre pour faire le derrière. Ensuite, où est-ce qu'il y a l'espèce de petite pointe ici, une autre séparation pour faire le milieu et une autre pour le dessus. Deuxième, comment friser le fameux look qu'on voit partout, frisé, décoiffé, full jet set, full tendance. Je vais vous montrer comment. Cette fois-ci, avec le protecteur de chaleur Iron Shape tenue moyenne, ça fait en sorte que, oui, ça protège le cheveu de la chaleur, mais ça crée aussi une tenue. Et là, vu que c'est moyen, bien, ça crée une tenue moyenne. Donc, encore une fois, j'ai mis seulement deux pouches. Je ne prendrai pas l'étage du dessous parce que ça ne frisera pas vu que le fer plat a déjà passé une fois. Donc, je prends quand même des sections assez larges. Encore une fois, que je peigne, très important. Pour ce qui est du contour du visage, moi, je conseille toujours de friser vers l'extérieur du cheveu, sinon vers l'extérieur, pas du cheveu, mais vers l'extérieur. Sinon, vers l'intérieur, ça fait qu'il y a des couettes qui rentrent par en dedans. Puis ça peut, à la limite, s'il y a un dégradé quand même assez court dans le contour, ça peut, à la limite, rentrer dans le visage, dans les lunettes. C'est pas très agréable. En même temps, vers l'extérieur, bien, ça dégage le visage. Donc, pour faire ce style de frisé-là, je prends toujours mon fer plat comme ça, perpendiculaire à la taille. Je prends une couette, je tourne légèrement et je tire. Tranquillement, pour que la chaleur ait le temps de faire son travail. Et voilà, je laisse tomber, je la laisse refroidir. Il ne faut pas toucher, comme ça, ben, on est sûr que la boucle tienne. Je vais en faire juste une deuxième, je ne prends pas la tête au complet, juste pour comprendre le principe. Après ça, je frise, j'ai fait vers l'extérieur. La deuxième couette, je vais faire vers l'intérieur, ainsi de suite. Je fais toujours comme ça, tout le long. Donc là, je tourne vers l'intérieur, je tire tranquillement. Et je laisse tomber. Je vous montre. Mais c'est sûr qu'elle a les cheveux longs, ça donne pas le délai. Ça donne quand même une petite idée, mais quand le cheveu est plus court, plus le cheveu est court, plus que les frisés sont serrés. Donc voilà, on voit un petit peu le look ici, coiffé, décoiffé. Troisième,
un frisé un petit peu plus un petit peu plus frisé finalement, plus serré et un petit peu plus vous allez comprendre. Cette fois-ci, je vais prendre le protecteur de chaleur à tenue forte, tenue 22, hot 7. Ça, c'est tous des produits que vous pouvez trouver sur notre boutique en ligne au bacacheux.ca. On livre partout au Québec. Vous pouvez aussi juste préparer votre commande et venir la chercher en magasin. Donc, deux sprays encore là. Je prends une autre couette. Cette fois-ci, au lieu de tenir mon fer plat perpendiculaire à la tête, je vais y aller dans le même sens que la tête. Donc, à l'horizontale comme ça. Si je tourne vers en haut et que je tire tranquillement, encore là, prenant notre temps pour faire sûr que la chaleur fasse son effet. Je la laisse tout le temps dans son mouvement pour la laisser refroidir. Ensuite, je vais prendre une deuxième sens inverse. Vous allez comprendre ce que ça fait. Encore une fois, on protège le cheveu. Vous voyez, j'ai pris une seule fois le produit. Là, cette fois-ci, je vais y aller vers l'intérieur. Et je tire tranquillement. Il y a une grande couette ici parce que j'avais fait des tests d'extension de cheveux dedans. Vous voyez, je peux s'en voir bien. Ça fait un petit peu plus frisé, plus. Ça fait aussi beau, mais ça fait totalement un look différent. Donc, pour des boucles un petit peu plus accentuées, fer plat à l'horizontale en frisant vers l'intérieur et vers le haut, en alternant toujours sur une couette. Pour le look frisé plus naturel beach wave, fer plat perpendiculaire à la couette, on tourne vers l'extérieur du visage pour le contour et on tire comme ça, comme ça, et le fameux droit normal, on tire tranquillement en prenant, attends un petit peu, je vais vous montrer, en gardant toujours un angle vers l'intérieur. Oups, on va parler de la main. Vers l'intérieur, regarde. J'ai une légère angle vers l'intérieur. Ça fait en sorte que les cuticules vont toujours bien rentrer un dans l'autre. Puis ça va faire un cheveu plus naturel, plus brillant aussi. Parce que certaines personnes, quand ils passent le fer plat, font quasiment vers l'extérieur. Ça fait en sorte que ça ressort toutes les petites pointes des petits cheveux qui dépassent. Donc voilà. En espérant que cette vidéo vous ait. Aidez un petit peu. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter via notre page Facebook. Et n'hésitez pas à visiter notre boutique en ligne pour voir les produits chouchou que je vous ai présentés. Donc voilà, merci, bye bye.